Je m'appelle Mwenkopi Bernan-Denery, j'ai 25 ans, je suis doctorante à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, qui est un laboratoire de l'Institut Curie situé dans le 5e arrondissement à Paris. Après avoir fait une section scientifique au lycée, j'ai fait une licence à l'Institut d'Évry, donc très générale sur la biologie, et après j'ai fait en fait encore un master ouvert et porté sur vraiment l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, qui s'appelle le Centre de Recherche Interdisciplinaire. Pendant mon master, j'ai eu l'occasion de faire des stages en embryologie, en biologie moléculaire, en biochimie, et du coup mon dernier stage qui m'a amené à faire la thèse que je fais aujourd'hui dans mon laboratoire actuel. Je travaille dans le domaine des organes sur puce et je vise la reproduction en fait d'un intestin en petit, donc sur un petit dispositif, vraiment à une échelle millimétrique, on va dire. Donc ça implique d'essayer de reproduire les interactions cellulaires qu'on va retrouver dans l'intestin, mais aussi les contraintes mécaniques, essayer d'en créer un modèle le plus proche possible d'un organisme en fait vivant, et donc dans le but de après essayer de remplacer les modèles animaux sur lesquels on fait des tests aujourd'hui, et pour réduire les coûts aussi des études. Et... Le plus grand défi dans mes études, ça a été de trouver ce que je voulais faire. Parce que j'étais très intéressée par les sciences de manière générale et la biologie. Mais en fait, la biologie, quand on dit la biologie, c'est très très vaste. Durant mon master, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de stages en fait. Et j'ai trouvé ce stage-là à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes sur les organes sur puce. Et j'étais vraiment ravie parce que en fait, on touche un peu à tout. Ça va aussi bien des techniques de biologie comme la microscopie ou un petit peu de biologie cellulaire et moléculaire, mais aussi à des techniques de microfabrication qui étaient très plaisantes. On se heurte à beaucoup d'obstacles, ça marche pas forcément comme on l'a décidé. Et donc ça requiert énormément de patience, de compréhension. Et il faut de la persévérance. Il faut savoir se poser, discuter aussi avec les gens qui nous environnent et se poser les bonnes questions, savoir rebondir. C'est d'être curieux et surtout de suivre un petit peu son instinct. Donc ne pas hésiter d'aller au contact des gens, d'essayer des choses qu'on ne connaît pas, et le plus tôt possible, le mieux c'est, parce que des disciplines il y en a plein, des univers il y en a plein, et on a besoin de ces informations très tôt en fait.